Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'MX2K. Donc aujourd'hui on était à Lovolo en Italie pour tester la nouvelle gamme Fantic. Donc une gamme qui s'est largement élargie puisque l'année dernière on n'avait qu'une 125. Là maintenant on a une 125, une 254 temps, une 252 temps et une 454 temps. Alors bon, la 125 elle n'est pas encore arrivée puisque elle est dérivée de la Yamaha 2022. Donc on n'a pas encore pu l'essayer puisqu'on sait que la Yamaha elle est toute nouvelle. On ne l'a pas encore, donc ça va venir plus tard. Aujourd'hui, on s'est donc concentré sur la 2,5 de temps et les 2,4 temps. Alors, la 2,5 de temps, on va faire rapide, hein, puisque c'est globalement la même moto qu'une Yamaha. Donc, ça reste très performant, évidemment. C'est presque déjà un petit peu trop. Hein. C'est une moto qui répond beaucoup en bas, qui a beaucoup de bas régime et qui ensuite monte très vite dans les tours. Donc, une moto assez impressionnante et assez difficile quand même à maîtriser quand on veut vraiment aller vite. Après, il reste le châssis, ça reste un châssis Yamaha. C'est très sain en fait, c'est à la fois maniable et stable. Donc là, en plus, on a eu un beau circuit où on pouvait vraiment tester les suspensions, contrairement à certaines fois. Les motos qui nous ont quand même le plus impressionné sont les 4 temps. Pourquoi ? Bah, déjà, techniquement, qu'est-ce qu'elle a cette moto en plus d'une Yamaha ? C'est le boîtier Get, donc qu'on peut voir à l'avant. C'est un petit boîtier traction control et launch control à la fois. Donc, qui permet d'avoir du traction control à l'arrière. On peut le régler de 0, donc pas du tout de contrôle, à 10, où là vous avez une moto très très aseptisée qui glisse absolument pas, qui est très efficace mais qui est peut-être un petit peu moins fun. Nous on l'a essayé en version, on a mis surtout le 5, donc 5 c'est quand même un bon compromis justement entre le fun et l'efficacité, donc ça nous a vraiment bien plu. Elle diffère aussi de la Yamaha de par la ligne d'échappement. Donc là on a une ligne d'échappement Aro, le collecteur en titane et le silencieux, ça lui donne plus d'allonge, ça lui donne des caractéristiques moteur un petit peu différents. Sur la 2,5 par exemple, on a trouvé que la moto elle allongeait plus qu'une Yamaha. C'est ce qu'on reproche parfois à la Yamaha, c'est de saturer un petit peu vite, d'avoir de très bons bas régimes et mi-régimes, mais de saturer un petit peu vite en haut. Là, la puissance, disons qu'elle arrive différemment, de façon un petit peu plus linéaire, et elle permet de monter un petit peu plus haut. Donc, bah ouais, c'est quand même un petit peu mieux qu'une Yamaha. Donc c'est une moto très très efficace, à la fois en termes de châssis, où là, bah, voilà, on se retrouve encore une fois sur des éléments Yamaha, avec une fourche Kayaba, un amortisseur Kayaba à l'arrière également. Des freins, c'est pareil, c'est comme les Yamaha, donc tout est pareil. Il y a vraiment que le moteur qui change un petit peu. Il y a aussi le boîtier ECU qui change. Et encore une fois, pour plus de linéarité, c'est ce que vraiment Fantic a essayé de travailler. Et ça marche vraiment, vraiment bien à ce niveau-là. La 450, pareil. Ils ont vraiment travaillé sur le frein moteur. Et c'est vrai que quand on coupe les gaz, la 450 Yamaha elle a tendance à vous arrêter un petit peu comme ça. Là, c'est moins le cas. Donc, moins de frein moteur, plus de linéarité. Ça nous donne une moto un petit peu plus facile à utiliser. Et encore une fois, le launch control, s'il est utile sur la 250, il est vraiment très utile sur la 450. Parce que là, ce matin, par exemple, la première session, c'était vraiment glissant. C'était pas facile à rouler. Et là, c'est le jour et la nuit, en fait, quand vous mettez du traction control. Et ça permet vraiment d'être plus efficace. La moto, en fait, elle cabre plutôt au lieu de glisser. Alors, une fois que vous le savez, vous chargez l'avant et vous êtes tout de suite beaucoup plus efficace. Donc, globalement, une gamme bah, qui s'est voilà, vraiment étendue. Et on pense que ça va vraiment cartonner au niveau des fans français parce que apparemment les Fantic, elles fonctionnent déjà très bien en France. Et on pense que ça va continuer. Voilà, bah écoutez, on vous remercie beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.